Donc cette année, dans le Grand Lyon, il y a à peu près 100 000 personnes qui vont être concernées et qui vont être recensées par, grosso modo, 300 agents recenseurs. La collecte commence le 19 janvier, elle se termine le 18 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et le 25 février dans les communes de plus de 10 000 habitants. Les communes, pour leur gestion au quotidien, leur budget, le nombre de conseillers municipaux, toutes ces informations-là sont liées à leur taille en population. Et le deuxième usage, c'est de fournir des éléments d'information pour guider des choix de politique publique. Par exemple, connaître le nombre de personnes âgées pour les conseils généraux qui gèrent les maisons de retraite ou connaître les déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Donc, les questionnaires sont déposés par un agent recenseur qui est muni d'une carte tricolore avec sa photo et qui garantit la parfaite confidentialité des informations. Les informations demandées sont très simples. L'âge, le lieu de naissance, la situation par rapport à l'emploi ou le lieu de travail, et concernant le logement, le nombre de pièces ou le mode de chauffage.